Ah bah dis donc. Donc on a... Donc n'hésitez pas, nous le ferons bien avec beaucoup de plaisir parce que vous êtes au cœur de la Haute-Marne. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans moins de 50 secondes, le Slovaque. C'est une rookie, c'est sa première participation. Effectivement, un écart qui se creuse un peu par rapport à Eric et Sandrine. L'Espagnol Miguel Angel Martinez que vous applaudissez. Allez Miguel! Allez Miguel! Miguel Angel Martinez, monsieur exceptionnel. Je vous rappelle qu'il a reçu le prix, je crois que c'était il y a 2 ans, du monsieur le plus sympathique. Il a son formidable, toujours le sourire, et il court là aux couleurs de l'Espagne. Miguel, la République tchèque, 3e au classement général. Allez, Martine! Martine, Miri! Pour l'encourager, Roland Dumoli. Allez Roland, la Suisse également, deux traîneaux suisses les uns l'un derrière l'autre. Roland qui avait un petit souci tout à l'heure au démarrage à l'essent, mais ça s'est vite résolu. Voilà, Jaco Alex Ullmann, mesdames et messieurs, qui se promène tranquillement avec son attelage avant de le mettre en place dans quelques instants. Et comme nous vous le disions hier sur le départ, et on vous le confirme, bien sûr, Coco Chanel, dont vous connaissez l'histoire maintenant. Ah, Jaco, where is Coco Chanel? Voilà. De nombreux autres chiens qui sont sur tous les attelages et qui sont des êtres exceptionnels. Et sachez que pour chaque musher, eh bien dans son attelage, il y a toujours des chiens. Il les apprécie tous, mais il y a toujours des chiens qui ont des histoires particulières. Et on ne manquera pas, pour la 8e édition, nous en parlions hier, d'aller creuser un petit peu pour obtenir plus d'histoires concernant tous ces chiens remarquables et de pouvoir tout au long des départs et arrivées vous en citer quelques-unes. Nous avons mis à l'épreuve de tous les temps, de toutes les variations climatiques, et on en a connu pour cette période du temps. Tous vétérinaires, que vous verrez encore tout à l'heure au travail, pas toutes, plan hélicoptère, également le PGHM par exemple, de la Morienne. Alors c'est vrai que l'hélicoptère, prenons le temps de parler un peu, l'hélicoptère permet de faire des images, mais je n'ai pas trop que pour cela, parce que c'est très ludique. L'hélicoptère permet aussi, et bien, nous en parlions tous les temps, mais également avec tous les temps, et bien, tous les temps, nous avons réussi à tous les temps avec nos tenues. Aujourd'hui à Bonneval avant un passage voilà. Il y a un monsieur qui s'est fait l'ensemble de la planète connue de tous les musheurs. Quelqu'un qui a écrit des livres intéressants, très intéressants. Je pense notamment à Veto des Neiges, qui fait tous les courses.
Mesdames et messieurs, mais... on a vécu un peu en famille pendant deux semaines. On sait que demain, ça va se terminer. On connaît maintenant à peu près tous les chiens. 5, 4, 3, 2, 1, go. Et puis la course cette année n'est pas jouée du tout. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, et c'est Pierrot qui s'était lancé. Pierrot-Antoine Héritier qui vit ensemble depuis 15 jours va tout doucement eh bien, se quitter en attendant avec impatience. 1, go. Jaco, Alex, Simon. Allez Jaco, hey. Jaco, Alex, Simon, c'est parti pour 71 km. Il part depuis 2-3 jours. Votre Franz Schumacher que vous pouvez applaudir. Il revêt eh bien, la chasuble de Handler. Et c'est sur son traîneau, son Handler, qui a pris la commande du traîneau. C'est Mike. Mike Handler de Wolfram qui termine ainsi cette course.